Wouh! Wesh! Ok, alors là, à chaque fois je dis que c'est spécial, mais là, là, les gars, là c'est spécial. Voilà, voilà! On est sur une boîte Lego Collector, on appelle ça un diorama pour ceux qui ne savent pas, donc c'est en gros une mise en scène. Donc là, c'est la scène tout simplement mythique de Star Wars. Bon allez, on commence, donc comme d'habitude normalement on a les, pour ouvrir la boîte, les fameux deux petits trous. Hop là, alors je sais pas combien il y a, je sais pas comment ça se passe niveau pièces, niveau fascicules. Ok, même, ils font ça maintenant les goûts, ils mettent des plaques à l'extérieur, ça. Ok, donc là ensuite il me faut ces pièces là. Tac. Non, c'est pas celle-là. Alors. Ah oui, bah ça m'arrive de me tromper. Voilà, comme à l'ancienne, c'est plutôt ces pièces-là qu'il faut. Non, toujours pas. Ah si, c'est ça. Après, il en faut une comme ça. Là, il en faut une comme ça. Voilà, je regarde si mes cams tournent toujours. Je vais faire des petits checks de temps en temps pour être sûr. Voilà, du coup on part sur un truc comme ça. Sympa. Alors du coup on passe au sachet 2. Les petits feux. Je suis hyper content. En vrai c'est trop bien. J'adore, franchement. Un diorama pareil. Ah oui, par contre là c'est technique les refs. Oh la technicité du bail. Ça me fait flipper. Alors. Alors là, il va falloir y aller doucement, mollo mollo, l'astico. Là je vais mettre les petites pièces ici là. C'est reparti pour le sachet l'avant-dernier. Le sachet 4. Ah d'accord, on est reparti pour faire un arbre, si j'ai bien compris. Refaire un arbre. Cette fois-ci, les roses. D'accord. Oh, oui, ok. Voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est une vidéo pas énormément longue, mais j'étais hyper content de vous la faire. Franchement, je pense que ça va hyper bien rendre dans ma vitrine en fait. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo et commenter pour me dire si vous êtes plutôt Lego ou Playmobil. Moi perso, c'est Lego les gars, parce que la construction c'est zinzin. Et sur ce, nous on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut YouTube.